a registré ici. Et on avait loué un hôtel pour faire notre congrès. Tandis que quand moi-même je suis venu ici, c'était en juillet, j'avais pitié de nos camarades de l'intérieur. Tant pis, et pas tous ces dents. J'ai été touché. Après combien d'années? Les autres ne déméritaient pas. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour ne pas avoir réalisé quelque chose pour éviter de payer des hôtels et de s'abriter lorsqu'il y a des étapes? J'ai dit, je ferai tout pendant le temps que je serai là de laisser des traces. C'est ce qui a motivé ça. Mais il fallait se préparer. Il y avait d'autres échéances. Il y avait d'autres choses. Il fallait revoir la base. Il fallait remettre les comités. Et il y avait des échéances électorales. Il fallait aussi les passer. Le dernier, c'était la dernière présidentielle. Certains voulaient que je parte. Et comme je ne voudrais pas subir un coup chaos, j'ai dit bon, alors on va réaliser quelque chose qui va rester. Comme ça, on me remboursera ma caution. Et au sort, c'est dans la salle science tenace qu'on a décidé. Les études étaient faites, on a décidé. C'était la semaine qui a suivi, on l'a implanté. On avait donné 3 mois. Un entrepreneur, c'est les aléas, les mouvements que nous avons tous connus, la circulation difficile, et on a pu le terminer il y a quelques semaines. Donc voilà la petite histoire. Aujourd'hui, nous avons, c'est pourquoi j'ai dit dans mon discours, c'est fini de louer les hôtels pour nos instances, c'est fini de louer les tentes pour nos manifestations. Nous avions quelque chose où on peut s'abriter. Voilà. Président, je suis Bassol Binta de la radio Rousseau FM. Oui. Je voudrais savoir, le siège là fait combien de places, s'il vous plaît? Bon, l'installation relative, c'est aux environs de 1000 places. Mais avec le temps qui court, le problème de distanciation, de ceci et de cela, et de l'espace pour se recréer, aujourd'hui à l'intérieur, je crois qu'on avait 800. Installer des chaises dans nous, on a eu comparable parce qu'il fallait laisser de l'espace pour que les gens se récréent. Mais encore une fois, on peut. L'extension est prévue. Vous pouvez connaître le coût? Le coût a été donné dans la salle. Et on est parti d'un coup. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a rencontré des choses, on a fait descendre des clôtures qu'on a repris. Et puis ensuite, on a profité de la construction de ce hangar pour rénover. C'est pourquoi on a dit extension et rénovation. On a rénové l'ancien bâtiment. Vous voyez que c'est la même couleur, c'est la même chose, c'est le même blanc. Ok. C'est quoi le message, votre message aujourd'hui à l'endroit du peuple de Guinée en cette période? C'est l'unité. Monsieur le Président, c'est ça, Edouard Didier, le journaliste à guinemartin.com. Qu'est-ce qui explique l'absence de l'IFDG et du RPG Arc-en-Ciel parmi vos invités? Il n'y a pas de rien. Tout le monde ne peut pas être parfait. Je crois que le leader de l'IFDG est Tamane, à l'enterrement de ses proches. Le RPG est occupé à des choses. Nous aussi, nous sommes occupés à autre chose. Nous ne cherchons pas. Je vous demande, vous les journalistes là, ne cherchez pas le mal partout. Il n'y en a pas. Bon, voilà, je crois qu'on va mettre ça. Voilà, voilà. Non, il y a une question. Il y a une question. Moi, je n'ai pas de problème, mais je réponds à la question que je vous pose. Vous avez le plein droit. Voilà. Donc, c'est la fin, quoi. Non, moi je voudrais savoir s'ils ont été invités ou pas. Non, vous ne pouvez pas savoir. Je ne suis pas membre de la commission d'organisation. Ils étaient invités. Mais tout le monde était invité chez nous. On a exclu personne.